passe muraille. Maintenant, c'est Excalibur. Allez, hop, emmenez-moi ça là-bas. Voilà. Oh là. C'est lourd, ces parchemins. C'est une porte, une porte mythique, il faut bien le dire. Et à plus d'un titre, d'abord parce que Excalibur se trouve à l'intérieur, deuxièmement parce que c'est un des très grands classiques du fort. Je vous rappelle le principe, grâce à Excalibur, il faut rompre un cordage pour récupérer la clé. C'est aussi simple que ça. Victoria, oui. Est-ce que tu te sens prête? Je ne sais pas. Est-ce que tu te sens prête à encourager Philippe? Ouais. Bon. Bon, ça. Bon, Philippe, sache que j'ai une admiration pour toi totale et que je sens qu'elle va être renforcée après ce que tu veux nous faire là. Ouais. Je ne doute pas un seul instant que tu vas briller une nouvelle fois de mille. Attention. Allez, Philippe. Deux, allez, allez. On y va. Mais c'est ça. Allez. Essaye de te dévisser peut-être un petit peu. Debout dessus. Voilà. Voilà. Oh là là. Je précise que l'épée pèse plus de 25 kilos. Tu vas couper là? Ouais, coupe là. Ok. Là, d'accord. Essaye de viser à chaque fois au même endroit. Elle pèse. Essaye de viser évidemment au même endroit. Ouais, essaye. C'est bon ça. Hey, cool. T'as pris ton plaisir là, hein. Je me suis régalé. Bon, parfait. Alors, elle fait son poids l'épée, hein. Ah, ouais. 25 kilos. J'ai été surpris au départ. Hey, 25 kilos, tu m'étonnes. Elle fait son poids. Bon. 5 clés. Bon, alors nous allons continuer maintenant cette aventure. Passe-muraille. Très bien. Merci. Et nous allons au... Oui, tu as besoin de quelqu'un, semble-t-il. De Philippe, très bien. Et de Victoria. Philippe, Victoria. Allez, suivez Passe-muraille. Et nous allons en menottes.